excellent, ce canard. La recette est du docteur Landerneau. Et parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Ah, tout le mystère est dans la façon de le tuer. Voyez-vous, c'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas, l'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématome se fait incomplètement, ce qui amène des extravasations sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles schizoïdiens et sous-oïdiens. Alors, par contre, c'est quoi, vous lui tordez le cou à votre canard? Oh, ces médecins, mais vous, ça ne peut rien dire comme les autres. Eh ben, c'est excellent. Voilà. Avec ça, ce canard est d'un tendre. Oh, mais ça, c'est ma femme elle-même qui l'a acheté. Oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Et voilà, j'avais pris le train. Enfin, heureusement, il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. J'ai dû être très aimable avec lui. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement, il n'y a pas de bonnes occasions pour tous les hommes. Tenez, Tiburce, apportez-nous le champagne. Oh, je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Il dit que ça m'excite trop. Mais il me le permet pour mes bains. Pauvre chat. Oh, attention. Tendez-vous, père. Regardez. C'est un porte-bonheur. Et c'est du vin, vous savez. Je ne vous dis que ça. Il me vient de Troyes, ma ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval du même nom. Mais non, papa, le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Bon, papa, mais, et je dis que cheval et champagne, ça s'écrivait la même chose. Oh, je ne te dis pas. Mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Permettez, 3 et 3 font 6. Pardon. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler. Parlez, monsieur Pacarel. Parle. Mon mari était fait pour être tribun. Oh, mon Dieu, que tu es exagéré. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier. Oh, à propos de panier, j'ai retrouvé le fond. Mon panier à ouvrage, et moi qui le cherchais. Oui, messieurs, mesdames. Chut. Oui, bah, vous allez bientôt me laisser parler. Mais va, mon ami. Vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Oui, Marc, s'il te plaît. Mon petit. Messieurs, mesdames, et surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Apportez-nous les rince-bouches. C'est ça? C'est ça ta surprise? Bon, non. C'est une interruption, Zaz. C'est pour m'habituer, pour si jamais je suis député. Ben vous n'entendez pas, j'ai demandé que vous nous apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous l'apportasser. Oui, d'abord, on dit apporter. On dit pas apportasser. Ah, je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Oh, les maîtres. Monsieur Pacarel, vous avez la surprise. La parole, la surprise, la surprise. Voilà. Je serai bref. Julie. Oh, bah, c'est très mon petit. Oh, pardon, papa. Tu t'es illustrée dans ta famille par la fabrication d'un opéra. Bah, tu as refait Faust après Gounod. Gounod était né avant toi, il était tout naturel qu'il eût pris les devants. Eh bien, ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra même. Je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre, cet opéra est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres. Par conséquent, Faust est mon œuvre, génie. Mais tout ça ne nous dit pas comment tu t'y prendras pour le faire jouer. Mais attendons, voilà. Alors, j'ai appris l'autre jour que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor merveilleux, une voix, tu sais, comme je sens que j'en ai une en dedans, si elle voulait sortir. Ce ténor chante à Bordeaux, il s'appelle Ducheton, et a un avenir immense. Qu'est-ce que je fais? Je télégraphie immédiatement à mon vieil ami Dufausset, engage pour moi n'importe quel prix, ténor Ducheton, actuellement Bordeaux, et expédie directement. Vous comprenez? Non. Parce qu'une fois en possession du ténor, je le lie à moi, l'opéra se traîne à mes genoux, et en même temps que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra. Et voilà, les Pacarel qui partent à la postérité, messieurs, mesdames, à votre santé. Hip, hip, hip. Que je suis
Mais prends garde à mon col, enfin voyons, tu peux bien m'embrasser sans te suspendre. Embrasse ta belle-mère, plutôt. Voilà. D'abord, ne dis pas toujours ta belle-mère. Ça me vieillit, moi. Ça me donne l'air d'une conserve. Les conserves valent souvent mieux que les primeurs. Ah oui, oh. Elle prêche pour son sein, la maman Landerneau. Monsieur, il y a un monsieur qui vient d'arriver de Bordeaux. Il vient de la part de monsieur Dufausset. De Dufausset? C'est lui, c'est du jeton. Ah, mes amis, ah, je vous en prie, faites-lui une entrée, hein, parce que vous pensez à un ténor, hein, c'est habitué aux ovations. Alors, Marthe, oui. Au piano, ton grand morceau, hein, Madame Landerneau, oui. Oui. Et toi, Julie, oui. vous allez taper sur vos verres et des prières. Ah. Ah, voilà. Et puis, n'ayez pas peur de faire du bruit. Oui. Toi, Landerneau, viens donc, tu vas monter sur un fauteuil en face de moi, oui. Et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Voilà, Tiburce, aidez-moi, monsieur. Pardon. Là. Voilà, vous allez chercher, monsieur. Y êtes-vous? Oui, 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 alors, oui, Tiburce, oui. Tu fais entrer avec déférence. Oui. Bah, allons-y. Alors, attention. Une, si. Deux, et tire. Je me suis trompé. Non, mais où allez-vous, Ben? Ne vous dérangez pas. Il ne faut pas les contrarier. Continuez donc. Continuez donc. Il aime ça, les ovations. Hein? Allez, reprenons. Et oh, mais ne filez donc pas, est-il drôle? Mais je ne file pas, je suis pas rassuré, ils sont en nombre. Très bien, maintenant, causons. Permettez-moi de vous présenter tout le monde, monsieur et madame Landerneau, nos amis intimes, qui partagent notre maison, ma femme, ma fille. Oh, le monsieur du tramway, il m'a donné ici. La dame qui a oublié son porte-monnaie dans une maison de fou. Est-ce possible, pauvre femme? Ah là, les présentations sont faites. Ah, je suis content de vous voir. Dufausset va bien? Papa? Oh, papa, il a dit papa. Pourquoi dit-il papa? Non. Bon, je vous demande si Dufausset... Dufausset? Oui. Ah! Oh! Mais alors? Pardon. Vous êtes monsieur Pacarel? Bah tiens, parbleu, est-il bête? Il me fait une peur. Et moi qui croyais être chez des fous. Oh! Dame, c'est vrai, on vous trouve là tous, sur des chaises, sur la table, dans le piano. On aurait cru que vous jouiez au chat perché en musique. On vous faisait une entrée. Plaignez-vous donc, hein. C'était pour... Quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Oh, comment? Vous êtes monsieur Pacarel? Enchanté. Enchanté. Ah, à propos, j'ai une lettre pour vous, elle est au fond de ma main. Ah, une lettre pour moi de Dufausset, ce cher ami. Il va bien, Dufausset? Admirablement, il va admirablement, mon père. Mon père. Pourquoi m'appelle-t-il son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Eh bien, comment le trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Ah, oui. Il a l'air d'avoir de la santé, je le soignerai. Drôle de gens. Papa qui est à Bordeaux me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville des plaisirs effrénés et des corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel en priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui, ne le contrarie pas, tu verras, c'est un charmant homme. Ça c'est vrai, il en a l'air, je crois que je m'entendrai très bien avec lui. Ah, vous ne savez pas combien je suis heureux de vous avoir. Vous n'avez pas déjeuné? Le fait est que depuis ce matin... Oui, j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous voulez, un œuf cru, une côtelette saignée? Non, merci, j'ai mis autre chose. Quelle drôle de cuisine on fait à Paris. Mais c'est que quelquefois pour la voix, hein. Oh, vous savez, moi, ma voix, j'en fais si peu de temps. Ah, mais tout le monde ne dit pas comme vous. J'en doute pas, madame, ce doit être une chanteuse. Il est un peu fat. Oui, enfin, on vous donnera ce qu'il y aura, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper. Oh, madame, je suis confus. Non, monsieur. Elle a rougi, elle m'a reconnue, elle est exquise. Mais qui est-elle, cette dame? La femme de Pacarel ou de l'autre? On a présenté tout le monde en bloc. Et maintenant, si vous voulez bien, à table. Parce que nous n'avons pas tout à fait fini. Ah, mais alors je ne vais pas déranger le service. Oui. Hein. Je prendrai où vous en êtes. Oh, ben si vous voulez, c'est très gentil. Tiburce, servez toujours un rince-bouche à monsieur. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'en reprendre un à la fin du repas. Messieurs, mesdames, à votre santé. Mais attendez-donc, ça n'est pas fait pour les tons. Ah. Voilà, j'ai donné les ordres. Et en même temps, voici le panier. Et alors, vous savez, vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre, n'est-ce pas? Le Parc des Princes est très sain pour la voix, ainsi vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre, vu sur le jardin, et alors, il y a un piano. Oh, ça... Ah oui, mais je vous préviens, il est à queue. Tant pis, ça tient plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Monsieur, un peu de café? Oh, très volontiers. Oh non, oh, non, voyons, c'est excitant. Allons, fais-lui faire un lait de poule. Mais je le déteste. Ça ne fait rien, ça bloute le gosier. Mais j'ai pas besoin de velours.
santé. Ah, ici, faut dormir. Allons, il me met au régime. Je vais le demander. Oui, c'est ça. Soigne ton futur interprète. Car c'est elle, voyons, c'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah, oh, Mademoiselle Garnier. Mais Dufausset a dû vous en parler. Vaguement, en tout cas, il s'est pas étendu. Il s'est pas étendu. Eh ben voilà, c'est elle. J'en suis bien aise. Bon monument. Oh, tu as entendu? Il a dit, j'en suis bien aise. Oui. Oh, il est charmant, jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. C'est ça, voilà. Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Et ça se vous cache, justement, à travailler. Venez-vous, mesdames. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiburce. Très bien. Et maintenant, parlons sérieusement, j'irai droit au but, je ne lésinerai pas, voilà ce que je vous propose. Voulez-vous 3000 francs par mois? Moi? Si je... Hein? Non mais 3000 francs par mois, nourri, logé, chauffé, soigné. Ça vous suffit pas? Oh, qu'est-ce qu'il chante? Vous voulez rire? Moi je veux rire? Ah non, oh non. Non, je croyais que... Oh bah Christy, ils sont exigeants les ténors à présent. Qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père... Ah mon père, il tient à m'appeler son père. Hein. Je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh ben 100 francs, ça fait 3000. Comment 100 francs, ça fait 3000? Madame, il y a 30 jours par mois, alors 100 fois 30, 3000. Ah, permettez. Ah oui, je ne lésinerai pas, voilà, voulez-vous, disons 3005, voulez-vous, 3005 par mois. Oh, si je le veux. Il est étonnant, mon père me disait que c'était un homme charmant, mais je croyais pas que ce fût à ce point. Acceptez-vous? Si j'accepte, parbleu. Oui, ben alors c'est convenu, signons le traité. Et puis vous savez, un traité en règle, assis-vous, parce que comme ça, chacun connaît son droit. Oui. Ah, c'est vous qui me ferez passer l'école. L'école? Ah, mais je ne connais pas l'argot des théâtres. Nous stipulons un fort dédit, n'est-ce pas? 40 000 francs si vous me quittez. Bon, n'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Ah ben chanter, ben, quand et où bon me semblera. Chanter, drôle d'idée par exemple. Ben, vous êtes payé pour ça, hein? Dites-moi, oui. Vous voulez faire une niche à quelqu'un? Ah oui, à l'opéra. En m'y faisant chanter? Ah non, non, non. C'est-à-dire qu'il... Oui, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont mes idées, acceptez-vous. Oh, à ce prix-là, je crois bien. Très bien. Quand je pense que quand je chante à Bordeaux, on me dit « ferme ça, tu vas faire pleuvoir ». Vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger, n'est-ce pas? Il est de 10 ans. Voilà, ça m'est égal puisque je le repasserai à l'opéra. Alors, nous disons. Devant nous, X et X, enfin, nous mettrons les noms plus tard, oui, ont comparu les sieurs Pacarel, Étienne, François, fabricant de sucre, par l'exploitation des diabétiques, d'une part, et Ducheton. Qui ça, Ducheton? Bah, vous, et bah votre nom? C'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est votre nom de... Attends, bon... Alors, comment vous appelez-vous? Dame, comme mon père. Ah oui, ah bah, ça je pense bien, oui. Mais encore... Dufausset, parbleu. N'achève pas, malheureux, j'ai compris. Dufausset est ton père. Eh ben oui, puisque je vous le dis, qu'est-ce qu'il a? Dufausset, son père. Il a un fils, lui, un homme marié, père de famille. Oh, quelle honte! Il ne me l'avait jamais dit. Voilà donc un fruit de sa débauche. C'est mon père qui m'a dit, va trouver Pacarel. Mon père? Il te permet de l'appeler ton père? Dame, c'est logique. T'es sûr que c'est bien ton père? Dame. Qu'est-ce que dit sa femme? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Parce qu'elle sait que t'es son fils. Maman? Maman, elle te permet de l'appeler maman, pauvre femme, elle endosse. Ils ont beau dire, ils sont tout de même un peu braques dans la famille. Et le fils? Que dit le fils de te voir prendre dans la famille une place qui n'appartient qu'à lui seul? Le fils, quel fils? Pas le fils de ton père. De mon père, papa a un fils? Bon, parfaitement. Je l'ai connu il y a 12 ans, il avait 13 ans, il est beaucoup plus petit que toi. Un fils, mais de qui? Bah, parbleu, de sa femme, tu l'as jamais vu? Jamais. C'est mort. Oh, c'est trop fort, je vais écrire à papa. Mais ne fais pas ça, malheureux. Oh, bah il manquerait plus que ça, alors la révolte, l'adultérin contre le légitime. J'en aurai le cœur net. Ne t'agite pas, ne vous agitez pas, ce qui est fait pour moi, j'ignore tout. Parlons plus d'eux, c'est trop laid, parlons plus d'eux, et puis signez le traité. Oh, quelle histoire. Alors, vous signez Dufausset? Bah oui, pauvre Dufausset. mettez à côté, bah, dit Ducheton, pour qu'on sache. Là, laisse
cela. Montrez. Parfait, parfait. Alors voilà votre traité, n'est-ce pas? Et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Ah ben, je vous souhaite du plaisir. Ah oui, on veut. Moi, j'ai toujours aimé à protéger les arts. C'est sans doute pour ça que vous êtes officier d'académie. Ah non, c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra. Ben oui, je l'ai déposée chez le commissaire, personne ne l'a réclamée. Au bout d'un an et un jour, on m'a dit « ça vous appartient ». Voilà comment je suis officier d'académie. Mes compliments. Oui, oh, c'est peu de choses. Alors, je vais vous installer dans votre chambre. Ah, une petite recommandation. Vous ne ferez pas du piano de trop bonne heure pour pas réveiller le monde. N'ayez pas peur, j'ai le respect... Les autres. Du piano, surtout. Ah, voilà. Vous savez, ces dames aiment à dormir. Ces dames. Elle en est de ces dames. Au fait, comment s'appellent-elles? Je suis absolument pincé depuis ce matin. Eh bien, venez-vous du fossé. Voilà. Son panier à ouvrage, je vais lui écrire un mot. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Là, maintenant, dans le panier. Oh, là, qu'est-ce que vous faites donc dans le panier de Madame Landerneau? Moi? Rien. Madame Landerneau, c'est la femme de l'autre, alors je n'ai pas de scrupules à avoir. Alors, vous regardez son panier, là, avec des yeux de merlan frit. Monsieur Pacarel, êtes-vous m'a gardé un secret? Ah oui, si je peux pas faire autrement, oui. Je trouve Madame Landerneau admirable. Alors donc, vous? Mais c'est pas possible, mais vous l'avez pas regardé. Une poitrine... Ça n'en finit pas. Ça s'en va, elle s'en va de la poitrine. Que voulez-vous, j'en suis toqué. Ben, pour la rareté du fait, c'est égal, j'aurai l'œil. Landerneau, un ami. Monsieur Lannoy de Vaux. Cher beau-père. Monsieur Lannoy de Vaux, mon futur gendre. Monsieur Dufoncet, un Dupré de l'avenir. Ah, monsieur est peintre. Moi? Oh non, moi non. Monsieur s'occupe de champs. Paysagiste alors? Mais non. Il est boucher, mon gendre. Boucher? Fichu métier. Je vais vous dire, c'est que moi, je me destine à la peinture. Comme mon père. Ah, votre père se destine... Non, il est mort. Il était peintre en animaux. Oui, il a même fait le portrait de mon gendre. Superbe. Alors, je me suis fait peintre comme lui pour faire quelque chose. Moi, mon père est fabricant d'alcool, alors je le suis un peu aussi. Je fais surtout la bête. Moi, je fais de l'esprit. Mais les extrêmes se touchent. Enchanté. Allons, Dufoncé. Mon gendre, nous vous quittons. Je vous envoie votre fiancé. Faites donc. Pincez, Dufoncé. Vous êtes chez vous, comprenez? Le parc des princes. Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée, c'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté, le bouquet, mais en venant, j'ai fait un crochet jusqu'au chez Camélia et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia, et sans façon. Avec elle, je ne suis pas obligée de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. C'est pas comme ici, où maman m'a bien recommandé de le faire chaque fois que j'ai à parler. Quelle idée aussi de vouloir me marier. C'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde-moi, est-ce que je me marie? Et elle a même ajouté, si jamais je commençais à me marier, ça ne serait qu'avec toi. Et elle a appelé sa bonne pour me faire les cartes. Savez-vous ce qu'elles ont dit, les cartes? Si la noix de vos se marie, il sera malheureux. S'il reste avec Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. Papa m'a dit, va retrouver ton fiancé. Il m'ennuie, mon fiancé. Il bégait. Et ajoutez, papa, observe-toi, tiens-toi droite et compte 2 fois jusqu'à 4 entre toutes tes paroles. La petite Pacarelle, tournons 7 fois la langue. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie. Et vous? Ça, qu'est-ce qu'elle a? Je vous avais apporté un bouquet. Seulement, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Dieu, qu'il est agaçant avec son tic! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Trop aimable! Ce que c'est tout de même d'être musicienne, elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame votre mère, va bien? Est-ce qu'elle est crispante? Très bien! Mais sa pauvre soeur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Non, mais vous me voyez toute ma vie embringuée de cette petite dinde. Quand on est 5 minutes avec elle, on ne trouve rien à lui dire. Le beau mari que cela ferait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. C'est dans ma nature. J'ai un naturel observateur. Faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, voyez-vous, en ce moment, je suis en train de faire des études
crois avoir l'explication d'un phénomène que vous avez dû remarquer sûrement si vous en avez fait l'expérience. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7. Pourquoi la mie de paquet blanche devient-elle noire quand on la roule entre ses doigts? Quelle cruche, mon fiancé! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je n'ai pas fait d'études spéciales. Et l'on veut que je l'épouse, jamais. Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Monsieur! Mademoiselle! Vous dites? Non, parlez. Après vous? Chut, madame Landerneau, tout à l'heure. Ah, bibiche, madame. Ne vous dérangez pas, ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Marthe viendra après. On ne le croirait pas, mademoiselle, mais par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Oh mon Dieu! Quoi? Ah, rien. Ah. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. Oh Dieu, l'imprudent, il m'écrit. J'avais bien vu qu'il me regardait. Depuis que je vous ai frôlé. Mais où ça m'a-t-il frôlé? Dieu! Ça doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Il faisait tellement noir que je n'ai pu le voir, mais j'ai entendu sa voix car il s'est écrié « Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne !» Ah oui, celui-là, il m'a frôlé. Et bien, enfin. Pauvre jeune homme, serais-je impitoyable? Ben, faudra voir. Madame! Ne vous dérangez pas, ne faites pas attention! Eh bien, voyons, qu'avez-vous à me dire? Je n'ose pas. Parlez d'abord. Je n'ose pas non plus. J'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Voilà du papier. Là! Voilà! Voilà, c'est fait! L'on ne force pas ses sentiments. Hein? Nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oh, que c'est drôle. Elle est bien bonne. Comment ferait, vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus. Oh, que je suis heureuse. Ah, et moi donc? Dites donc, je devrais me froisser. Que je ne vous aime pas, moi, je le comprends, mais vous, ça me vexe. Je pourrais vous en dire autant. Mais n'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Au fait, dites donc, vous n'avez plus votre tic. Mon tic? Oui, vous savez bien, comme ça. Ah, oh, c'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui me l'a ordonné. Oh, bah c'est comme moi, mon 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. Oh, bah j'aime autant ça, je me disais, oh, pauvre jeune homme. Oh, c'est comme moi, je pensais, c'est pas possible. Elle a avalé un métronome. Ah. Comme nous allons nous entendre maintenant que nous ne nous épousons plus. Oh, je crois bien, amis. Amis. Et maintenant, soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, pour tout le monde, nous restons fiancés. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Nous aurons tout le loisir de prendre une décision. Entendu, donc comme si de rien n'était. Attention, voilà ma belle-mère. Non, 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 ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Dis donc, fillette, tu n'as pas vu le ténor? Non. Ben, je le cherche, faut que je lui rende ses 6 sous. Voyons, il n'y a pas un morceau de papier pour envelopper, c'est plus convenable pour remettre de l'argent. Viens, nous restons fiancés aux yeux du monde. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je vous demande la permission de vous quitter. Mais faites donc, cher monsieur. Elle est charmante. Il gagne beaucoup comme ami. Partez, monsieur. J'y suis forcé, madame K. Ma mère m'attend. Une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Alors, si vous saviez que de bibelots j'ai acheté des caisses pleines, je sens que je fais des folies, que j'en ferai d'autres. Ne dites rien à mon mari, je ne dis rien non plus. Soignez bien mon serin et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Je vous embrasse Amandine Landerneau, ça n'a aucune importance. Na. Voilà. C'est comme ça enveloppé, c'est plus convenable. Ouf, si je m'enrhume, j'aurai de la chance. Le ténor. Tiens, vous avez froid? Madame Landerneau. Non, c'est monsieur Pacarel qui a voulu précisément pour que je ne prenne pas froid. Que... Le panier. On a touché au panier, elle a dû trouver le billet. Faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur. Madame. Je vous cherchais. À cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet.
Oh, madame, j'espère que vous ne vous êtes pas offensée. Ah, on ne se froisse jamais d'une galanterie. Ce que j'ai fait est bien audacieux. Ah non, j'ai pas trouvé. Ah, vous n'avez... Diable, elle est cuirassée. C'est que, vous comprenez, quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, j'ai pas osé en mettre davantage. Oh, mais j'avais pas besoin. Le tarif, rien de plus. Le tarif. Ah, il y a un tarif. Mais est-ce que ce n'est pas comme ça, Bordeaux? Mon Dieu, non. Je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Ah, de tarif. Ce doit être bien incommode. On ne doit jamais s'entendre, hein. Oh, si. C'est une question de sympathie. Avec le conducteur? Vous m'en direz tant. Elle appelle ça un conducteur, c'est un type. C'est égal, je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Moi, mais pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement, je... Diable, elle a une façon de désigner les choses. N'importe, je n'ai pas voulu être en reste avec vous et à mon tour, voilà. Un billet, elle m'a répondu. Oh, on ne perd pas de temps à Paris, on brûle, c'est la névrose, la fameuse névrose, mais... Pourquoi t'as mis des petits cailloux dedans? Et maintenant, je vous quitte. Oh, je garderai ça toute ma vie. Oh, ben... Ça, ça vous regarde, hein? L'économie est une belle qualité. Au revoir et merci. Que peut-elle me dire? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont les 6 sous. Elle aurait pu les garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Est-il possible, oh, cher ange? Ne dites rien à mon mari. Tiens, parbleu, pas si bête. Je ne dis rien non plus. J'espère bien. Soignez bien mon serin. Son serin? Ça doit être son mari. Elle a une façon d'appeler les choses. Certainement, je le soignerai, ton serin. C'est dans l'ordre, ça. Et si vous voulez être tout à fait adorable, voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Hein? Une paire de... Mais je crois bien, elle est exquise. Une paire de... On ne trouve ça qu'à Paris, mais je vais courir lui en acheter des masses. Je vous embrasse, signé Amandine Landerneau. Oh. Le ténor, je suis émue. Oh, Amandine, chère Amandine. Il pense à moi. Oui, va, je te donnerai des jarretières. Je veux te donner des jarretières. Oui, j'en ferai venir un lot, mais tu m'aimeras, dit Amandine, tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Mais je n'en doute pas, madame. Qu'est-ce que lui demande quelque chose à celle-là, encore une salariée? Pauvre garçon, j'ai intimidé. Enfin, c'est-à-dire, j'aime mon mari, mais... Non, au détriment des autres amitiés. Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Ne rougissez pas, jeune homme. Je ne rougis pas? Si, quand je vais dans la colonne Vendôme. Ne blanchissez pas, jeune homme. Je ne blanchis pas? Souvent, on se croise, on se rencontre. Une fois, entre autres, il descendait, je montais, je me suis effacée. Alors bon, comment avez-vous fait? Il m'a frôlée. Ne verdissez pas, jeune homme. Mais je ne verdis pas, voudrais me faire passer par toutes les couleurs. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, lui, mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme. Bon, quelle couleur, à présent? Jeune homme, dites un peu pour voir. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ben, c'est pas du tout sa voix. Mais c'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Oh, ce ne peut être que lui. Non, mais pourquoi me raconte-t-elle tout ça? Oh. Vous dire combien ce frôlement dans la colonne m'a brisé, m'a écrasé. Ça m'étonne pas, c'est si étroit. Depuis, ce souvenir me hante et je me sens des effluves de sang qui me remontent et des battements là, là, là. Enfin, ça fait brouh partout. Pauvre petite, parfaitement. Ben, j'ai connu une dame qui avait ça à Bordeaux. On lui a fait des purgations et quelques mois après, elle accouchait. Est-il possible? Le ciel m'en préserve! Oh, je crois que je l'ai trop brusqué tout à l'heure. Oh, mes amis, je suis mis aux anges. Il a une voix.
Quoi? Oh, vous? Et tu l'as fait chanter? Ah, oh non, 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 mais je l'ai entendu tousser. Et il a un cran. Alors j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Oh, si tu priais de chanter quelque chose. Oui, 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 oui. Mon cher Dufoncet. Dufoncet? Ah, bah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Il est le fils naturel de Dufoncet. Oh, le pauvre garçon. Ah, n'en parlez pas, Félix de la paix. Croyez que je prends bien part. Trompé mal? Qu'est-ce qu'il a, le médecin? À propos de quoi? Rien, chut, je respecte les blessures. Ah, vous avez raison, ça regarde les chirurgiens. Quelle drôle de famille. Ah, dites donc, vous allez bien nous chanter quelque chose? Moi? Vous n'y pensez pas? Oh, bah comment, c'est bien le moins. Quelle sacrée manie, ils ont de vouloir me faire chanter. Ah, oh, monsieur, vous ne me refuserez pas à moi. Elle, mais je n'ai pas de voix. Non, on dit toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça, mademoiselle? Au piano. Oh, j'irai bien tout seul. Mais non, je vous jouerai l'accompagnement, là. Ah, vous me... Eh ben, c'est que je vais vous dire. Pardon, oui, oui. Les pianos, ils sont tous faux à côté de ma voix. Enfin, nous essaierons, hein. Oh, madame, vous m'avez donné bien du bonheur, mais je vous en donnerai des jarretières. Je sais un peu, salut, demeure chaste et pure. Oh, je connais, je l'ai refait. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il m'a offert des jarretières. Bien, moi aussi, c'est une monomanie. Qui êtes-vous? Voilà, je vous aime. Oh, mon Dieu, je suis aimée d'un ténor. Fais la cour à Marthe, je le surveillerai. Comme c'est déjà beau. Hein? Comme on sent le grand ténor. Oh, oh, c'est exquis. C'est chut, bibiche. Bibiche. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste et pure. Il y a un chat. Où ça? Faites-le sortir! Oh, chut! 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 Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste et pure. Où se devine là? Non, permettez! Vous descendez, on remonte! Ah, moi je descends toujours! Mais oui! Mais c'est toujours comme ça! Donc pour les grands chanteurs, on modifie! Allez, bravo, bravo! 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 Voulez-vous recommencer, mademoiselle? J'y suis! Ah. Malheureux. Enfin, c'est pauvre, parce qu'on va les déranger chez eux quand ils ont un conseil. Ou alors maintenant, si vous voulez. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure. Chante un autre, ça fait un courant d'air, ça n'est pas possible. Oh mon Dieu, il a raison, un courant d'air, il pourrait prendre froid. Vite, couvrez-vous, couvrez-le. Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais non, ça n'est pas son essai. On crée, c'est pas là. J'ai pas un chanteur, c'est un chanteur.
encore un point, et j'ai fini. Que c'est bête, la vie. On admet qu'un amant aime sa maîtresse. On n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Où est la nuance? Ah, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. On doit aimer pour deux avec toi. Tu fais du profit. Mais un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour. Tu m'as appelé Ruy Blas et tu m'as envoyé promener. Alors, pour me consoler, il ne me reste plus de temps en temps, quand tu n'es pas là, qu'à faire des points dans ta tapisserie, dans ton zouave. Je sais bien que tu défais chaque fois mes points, mais ça m'est égal. Je recommence, et ça me fait du bien. Ah ! Eh ben, Tiburce, qu'est-ce que vous faites là ? Rien. Madame voit, je tapisse. Ma tapisserie ? Ben, vous avez de l'audace. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait des points à l'envers. C'était moi, madame, c'était moi. J'étais si heureux de collaborer avec madame. Hein? Comment il ose aller, hein? Et que ça ne vous arrive plus. Oui, madame, oui, oui, oui. Oh, cette femme-là ne m'aimera jamais, une femme si forte en chair. Oh, ma livrée, que tu me pèses. Non, mais a-t-on idée de cela? Oh, rangeons cet ouvrage. Oh, au ciel! Encore un billet du Faucet. Oh, oh, il met ça dans mon panier, mais l'imprudent n'aurait qu'à le trouver. Oh, voyons. Il n'y a donc personne dans cette maison. Ah, Bibiche. Il faut madame. Absolument que je vous parle. Madame. Vous avez bien voulu m'encourager, je me risque. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame. Il se risque. Moi, je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits et laconique dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Madame. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Ben, je vous demande pardon, mais voilà deux fois que je susurre. Alors, j'ai un peu élevé le susurrement. Et vous allez bien, madame? Hein? Oui, 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 c'est bon, tout à l'heure. Je me risque. Et moi, j'étais très souffrant toute la nuit. Ah non, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Elle n'a pas pu l'air de s'occuper de moi. Le jour, on n'est pas tranquille. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Hein? Vous pourriez pas me dire au moins où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre. Dans la serre. Je vous remercie. Je vais la rejoindre. Dans la serre. Oh, il ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Oh, oui, ça c'est des bêtises. Réfléchissez, je suis un galant homme. Oui, c'est très galant, très galant. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix, colimaçon borgne ou coucou. Ah, le voilà. Et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la crête dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Oh, oh, je vous dis, il est éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Oh, il y tient, ces jarretières. Et qu'est-ce que tu lis là, Bibiche? Moi, rien. Comment rien? Je t'ai bien vu. Et les 7 lettres que tu caches? Rien, je te dis, un papier sans importance. Alors pourquoi l'as-tu vivement dissimulé à mon approche? C'est que je... Alors montre-le-moi. Non, je peux pas. Bonne, tu me fais supposer des choses. Prends garde, je veux ce billet. Tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas. Amandine, tu me trompes. Oh, cette lettre est une lettre d'amour. Oh. Je l'aurais pourtant bien cru à l'abri. Oh. Non, donne-moi ça. Oh, j'ai perdu. Mais non, donne-moi ton. Non, 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 non. Oh, 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 tiens. Oh, tu n'es qu'un Othello. Le ténor, elle aussi. Ne lis pas. Oh, puis après tout, tant pis. Cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi et pour qui? Êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Et même après. Eh bien, cette lettre est pour madame Pacarel. Hein? Pour madame... Oui. C'est vrai au moins ça? Oh, ben alors, c'est vraiment... C'est pas après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit « je vous aime » devant moi. Donc il se peut bien que... C'est égal, je le saurai. Comment ça? Et parbleu, en mettant ce billet à madame Pacarel. Hein? Eh, dame. Non, vous ne ferez pas ça. Je me gênerai. Non, c'est impossible. Mais pourquoi ce billet pour elle? Je lui remets, c'est tout naturel. Oh, elle. Oh, puis à la grâce de Dieu.
Bonjour, docteur. Madame. Eh bien, je fais fuir votre femme. Oui. Non. Et votre mari va bien? Oui, il n'est pas encore rentré, il est à l'opéra. C'est en ce moment que M. Dufausset passe son audition. Et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Mais il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. Ce que dit Bordeaux, parce que moi... Maintenant, vous savez, il y a une différence de climat. Et puis, on a peut-être besoin de s'y faire. C'est la méthode italienne. Apparemment. À part ça, c'est un garçon bien charmant. Mon mari l'adore. Oh, pas étonnant, c'est toujours comme ça. Propos, voici un petit mot qu'il m'a chargé de vous remettre. Voyons. Et il faut à tout prix que je vous parle. Oh, oui, oui, je sais ce que c'est. C'est un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est toi. Ben oui, je vous remercie bien. C'était bien pour elle, j'aime mieux ça. On n'a pas idée de confier des lettres aussi compromettantes à un tiers. Heureusement que l'an dernier, on ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, il n'y était pas dans la serre. Tiens, c'est plus Bibiche, c'est Madame Pacarel. Madame? C'est du fossé une audace. Madame? Que peut-il m'écrire? Ah ben, elle est comme l'autre. Madame? Il faut à tout prix que je vous parle, hein? Et elle lit aussi, c'est le cabinet de lecture. Il faut à tout prix que je vous parle, vous avez bien voulu... Bien voulu? Bien voulu m'encourager, je me risque. Merci. Ah! Vous? Comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire. Alors... Mais alors vous avez lu? Oh non, non, je ne connais que cette phrase, voilà tout. Quelques lettres de quémandaire, hein? Oui, oui, justement. C'est sans importance. Oh, m'a fait une peur. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Comment il s'installe? Oui, oui, très bien, je vous remercie. Et moi, j'étais très souffrant toute la nuit. Alors, tant mieux, tant mieux. Et vous pourriez pas me dire au moins où je pourrais trouver ma fiancée? Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre, elle n'y était pas dans la serre. Non, non, en effet. Le jour, on n'est pas tranquille. Vous pourriez pas me dire où je pourrais la trouver? Oh, Dieu, qu'il est ennuyeux. Qui? Bah, ma fiancée. Au grenier. Au grenier. Quelle drôle d'idée. Je vais la rejoindre, madame. Oui, monsieur. Oh, c'est pas malheureux. Bon, alors, lisons. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Oh, il est fou, pour qui me prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Oh, tout bien, tout. Oh. Oui, oh, je me disais aussi. Réfléchissez, je suis un galant homme. Oh non, moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dirait? Puis la nuit, c'est très dangereux, les tout bien, tout honneur. Oui, mais d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avanie. Puisqu'il me dit, je suis un galant homme, j'aurai l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé. Et puis ce sera plus poli de ma part. Et puis ce sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra en chantant « À votre choix, colime à son borgne, au coucou, à le voilà. » Ah, il faudra que... Ah ben oui, c'est lui qui donnera le signal. Oh non, moi je me fais un scrupule. Enfin, après ça, je lui dirai de ne pas agiter trop fort, ça atténuera. Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Ah non, alors ça, moi, j'ouvre jamais. Railler mon mari. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on demande la mesure. Décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle a rien dû comprendre. Oh, j'en ai le cœur net. Comme vous tenez de la place. Moi? Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Vous avez vu mon mari? Ah oui, en effet. Il a dû vous remettre un billet. Hein? Comment savez-vous? Ah ben je le sais parce que je l'ai eu entre mes mains. Ah, vous l'avez! C'est donc fou, ce Dufausset. On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Mais vous savez, ce billet,
je ne l'ai pas lu. Ah, vous? Ben, je respire. Pas plus que vous, j'espère. Moi? Pour qui me prenez-vous? Je ne lis pas les billets. C'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne doute de rien, je suis sauvée. Elle a rien vu, je suis tranquille. Mais ce billet... Ben, j'ai déchiré. Que vouliez-vous que j'en fisse? Oh! Ben, vous auriez pu me le remettre. Tiens, voyez-vous ça? Mais je trouvais plus digne de le déchirer. Puis après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Dites-donc, c'était sans doute quelque déclaration d'un amour timide. C'est billet, ah, non? Ben, c'est quoi? On n'est pas responsable des sentiments qu'on inspire. Ah oui, mais non. Vous illusionnez, c'est inadmissible. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Il faudrait que cet amour ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet? Oh, en voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? Non, merci, c'est gentil ce que vous dites là, mais il n'y a pas d'illusion à se faire. Voyez-vous, il faut en rabattre. On n'est plus femme à exciter les passions. Oh, est-elle impertinente? Enfin, sachez, s'il vous plaît, qu'on est aussi bien en état d'exciter les passions que certaines personnes. Non, ce serait de la fatuité de le penser. Tout le monde ne dit pas comme vous. Oh, oh. Si la colonne Vendôme pouvait parler. La colonne Vendôme n'a rien à faire là-dedans. Mais ça, je vous demande pardon. Parce que moi, je n'avance rien sans pièce à l'appui. C'est très facile de parler, mais ce qu'il faut, c'est prouver. Or, tout le monde n'en sortirait pas de sa poche, des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, ma chère, je trouve ce que vous avez dit très déplacé. Je ne me gêne pas pour vous le dire. Oh, quelle bonne amie! Elle me défend même contre moi-même. Allons, voyons, permettons que je n'ai rien dit. Oh, bah, permettez, vous avez dit objet. Mais je le retire, là! Tout ça n'est pas sérieux. Vrai? C'est pas sérieux. Ah, oh, bah, tant mieux, parce que ça me faisait de la peine. Oh, quel cœur! Oh. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions. Eh bien non, là, mais ça, ça se dit. C'est pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Mais qu'est-ce que ça fait entre nous? Bon, eh bien, je dirais, si vous voulez, qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus exquise de toutes les femmes. Oh, bah, vous allez d'un excès à l'autre. Passable seulement. Bah, comment passable? On n'a pas des attraits, mais enfin... Je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux ou encore très jeune, qui a pas trop l'embarras du choix, enfin... On a vu des choses comme ça, voyez plutôt, la colonne Vendôme. Oh, la colonne, quand ce serait même la Bastille, non, elle m'ennuie à la fin. Mais qu'avez-vous? Non, je trouve vos propos de mauvais goût. On ne parle pas ainsi des gens. Vous êtes trop indulgente pour moi. Écoutez, si j'ai été trop loin, je retire. Le fait est que j'ai été un peu sévère, mais... J'en pense pas un mot. Ah, oh, bon bonheur! Oh, quelle excellente amie! Madame, c'est Monsieur qui vient de rentrer. Il a l'air tout bouleversé. Oh, mon Dieu! Pourquoi ça? Mais qui a-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Pacarel! Oh, vite, mais quelque chose de l'autre milieu! Donnez-moi! Quelque chose de pour moi! Mais non, mais mes enfants, ils disent parfois que je suis épouvantable! Oh, mes enfants! Merci. Mes enfants! Ouais? Ah, quel coup! Quel coup! Ah, ben il l'a passé, son audition! Ah, c'est du propre, mes amis! Oui. Oh, un désastre! Oh, si je m'étais attendu à ça! Mais déjà hier, hein, je me disais bien. Et c'est drôle, toi aussi, Landerlo, tu me le disais. Hein, mais je pensais, c'est que nous ne sommes pas connaisseurs, n'est-ce pas? Puisqu'il a une belle voix, eh ben, puisqu'il est célèbre, ben, je t'en fiche. Ah, des réputations comme celle-là, on me la copiera. Faut dire aussi, les Bordelais, c'est si blagueur. Alors, nous arrivons donc à l'opéra. Le directeur nous reçoit et on passe dans la salle. Pareil avec nous deux et le jury. Le jury était composé des directeurs, du chef d'orchestre et d'un pompier qui se promenait. Mais ce dernier ne devait avoir que voix consultative, car n'ayant point été interrogé, il n'a point émis d'avis. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner. Il demande à Dufausset quels sont les airs qu'il chante. Il répond qu'il possède assez bien, il n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Quoi donc? Le trou de... Alors on lui objecte que ça fait pas partie du répertoire. Il fait tant pis. Et il se rabat sur son éternel salut de meurtre. Ah oui, non. Moi, je me sens saisi d'inquiétude parce que ça n'avait pas si bien marché hier ici. Hein? Enfin, je me dis à la grâce de Dieu. Et il a chanté. Enfin, si on peut appeler ça chanter. Parce que c'était faux.
et pas en mesure. Et il a eu beau prétendre que c'est le piano qui était faux et l'accompagnateur qui allait trop vite, ça n'a pas mordu, tu penses? Alors les directeurs se sont regardés ahuris. Et le pompier lui disait rien. Ah, ah oui, oh, mais oh, bah, il n'avait pas l'air satisfait. Oh. Quant à l'accompagnateur, il était en moiteur. Il faisait, mais allez donc. Et à la fin, du fossé à 10 flûtes. Je sentais que tout le monde me regardait. Moi, j'étais couvert de honte. Et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Oh, le bandit! Calme-toi, papa! Oh, calme-toi, c'est facile à dire, ça, calme-toi. Qu'est-ce que je veux en faire? Moi, ça ne te prend rien. Parce qu'enfin, j'ai un traité avec lui, mais ben, un traité qui me lie comme un mouton pour 10 ans! 3500 francs par mois! Tu crois que c'est peu de chose pour un ténor qui n'a pas de voix? Oh, non! Mais ton opéra, alors, hein? Qu'est-ce qu'il chantera? Ce sera pas Landerneau, bien sûr. Hein? Ce sera pas moi, alors. Je vais quand même pas traiter avec tous les ténors libres d'engagement pour te trouver un interprète. Alors fondons une agence, alors. Voyons, tu exagères les choses. Dufossé est peut-être fatigué, le changement de climat, on ne sait pas. Ce voyage est arrivé d'hier, tu ne lui as pas laissé le temps de souffler. Tu comprends que s'il est célèbre à Bordeaux, c'est qu'il a quelque chose. Oh, ouais, mais c'est un zéro, c'est tout. J'ai fait une jolie acquisition. Lui, laissez-nous seul. Allez. C'est moi. Ah, vous voilà, monsieur. Oui, je meurs de faim. Ah, au moins de faim. C'est bien, ça. Et c'est moi qui dois nourrir les bouches inutiles. Vous ne rougissez pas de votre état de parasite? Parasite? Eh ben, dites donc. Ben oui. Vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Mon Dieu! Est-ce que vous trouvez que ça a été bien, vous? Vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas vu la tête que faisait le pompier, sans doute. C'est honteux, monsieur. Bah aussi, vous n'aviez qu'à pas me faire chanter. Mais dites donc, sans que les ténors sont parfaits pour serrer les bottes. Bah justement, chacun son métier, il était facile de s'apercevoir que je n'étais pas en état... Ah, vous deviez me prévenir. Nous aurions attendu quelque temps. Mais je croyais que c'était une plaisanterie. Alors, voyons. Nous autres Bordelais, on dit blagueur comme un Parisien, alors je me suis fait cette réflexion. Pacarel, faites une blague à l'opéra, en boiton. En boiton? Ah oui, ah bah. Ah, c'est intelligent, oui. Elle est jolie, votre réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de vous, moi, maintenant? Pensez bien que je ne veux pas vous héberger et vous payer pour vos beaux yeux. Quant à l'opéra, il ne faut plus y penser. Alors, hein, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez une belle écriture? Vous savez compter? 35 et 9, ça fait combien? 35 et 9. Oui, 35 et 9. 35, 36. Oh, mon Dieu, voyons! 35 et 9, vous avez besoin de compter sur vos doigts? Non, mais avec les doigts, c'est plus commode. Oh, plus commode! Alors, il suffit qu'on ait un doigt de moins, il n'y a plus rien de faire une opération juste, alors! Mais qu'est-ce que c'est que ce gaillard-là? Ben, je sais pas, on vous trouvera une occupation, qu'est-ce que vous voulez? Vous ferez les courses! Voilà. Puis le matin, vous aiderez à faire les chambres, voilà. Donnerai un coup de plumeau. Moi? Oui, vous! Faut bien vous rendre utile à quelque chose. Prendre des ténors à 3500 francs comme domestique, c'est raide. On aurait un nègre pour moins cher. Et ça ferait plus d'effet. On m'humilie de la sorte, c'est trop fort. Je vais écrire à papa. Oh, dites donc! Et puis vous avez pas un mot à Tiburce, des appointes, des gages que je vous donne? Il n'aurait plus qu'à avoir les mêmes prétentions, merci. Ça pouvait arriver à leur passer à quelqu'un de bêchis, hein. C'est trop fort, ce matin il me choyait, il mettait des foulards, maintenant il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Oh. Vous êtes en colère, oh, monsieur Dufossé. C'est votre père, mademoiselle. Il veut que je cire les parquets, que je fasse les chambres. Votre père. Oh! Un peu plus, il m'appelait l'arbin. Pauvre jeune homme, papa ne pense pas ce qu'il dit. Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Il m'a profondément offensé, hein. Et si je n'étais retenu par les charmes d'une personne... Est-il possible? Une jeune personne? Une jeune personne. Mais je ne peux pas la nommer. Non, ne la nommez pas, ça me ferait rougir.
Il y aurait vraiment pas de quoi. Amandine doit avoir reçu mon billet maintenant. Que doit-elle penser? Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Oh, bien heureuse. Et je vous sais gré de votre discrétion. La discrétion est la première des qualités de l'homme. N'empêche qu'elle voudrait bien savoir qui c'est, la petite. Oh, je suis bien heureuse. Oui, ben, moi, je meurs de faim. Qui vient de sortir de là? Monsieur Dufausset, il a eu une scène avec papa. Il est profondément blessé. Il est allé manger. Ça prouve qu'il a du cœur. Et de l'appétit. Dis, ton père n'est pas là? Non, tu le cherches? Oui, j'aurais besoin de lui pour le marquer. Faut que je trouve mon mari aussi. Je me suis approvisionné de craie dans le billard. Voilà. Vous mangerez plus tard. Vous allez aider Tiburce à nettoyer les hannetons. Encore des parasites inutiles, ceux-là au moins on s'en défait. Oh mon ami, c'est vilain ce que tu dis là. Le pauvre garçon, il le fait arroser. Si je ne me retenais pas. Alors vous voulez toujours que je soigne votre sein? Prenez bien garde. Mon mari a des soupçons. Je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Hein? Vous, malheureux, et comment a-t-il pris ça? Lui, qu'est-ce que je voulais que ça lui fasse? Il a dit seulement, eh ben, pour la rareté du fait. Hein? Il a dit, oh, l'insolent! Mais j'aurais bien tort d'avoir des scrupules. Monsieur, j'attends vos jarretières. Je ferai du 58. 58. 58. Ça me fait bien plaisir. Ils ont donc la manie des jarretières dans cette maison. Allez, oui, allez, 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 parlez pas votre temps, hein. Allez, aidez Tiburce, parce qu'après, j'ai une course à vous faire faire. Moi? Oui, vous. Vous aurez m'acheter une paire de jarretières, je n'ai bien qu'à craquer. Lui aussi, allons, c'est dans le sang. Allez, allez. Oh, oh. Voilà. Mais comment, tu le laisses partir? Oh, papa, le pauvre garçon. En quoi ça, le pauvre garçon? Tu sais ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait? 3500 francs par mois, et tu te plains? Ah ben alors, qu'est-ce que tu diras de Tiburce qui n'a que 50 francs? Je sais pas, une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Oh, oui. Veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'un égoïste. Ah oui, c'est très vilain. Très vilain. Très vilain. Ah oui, si vilain que ça? Oui, oui, très, très vilain, vilain, très vilain, très vilain. Oh, moins fort, s'il vous plaît. Oh, pauvre garçon, je vais le retrouver au jardin, lui porter une parole de consolation. Et moi, je vais chercher mon mari, je m'en vais le créer de la belle façon. Ah, on va t'en donner des pour la rareté du fait. Vous êtes bonne de le plaindre, vous. Je trouve que c'est moi qui suis à plaindre. Qu'est-ce que je vais en faire, maintenant? Personne n'en voudra. Ou un théâtre, peut-être. Un théâtre? Pourquoi faire? Un ténor qui n'a pas de voix? Je demande pardon, monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours moyen de requinquer un rossignol. Ainsi, papa, qui était maquignon, quand il avait une rosse à revendre, il lui mettait un grain de gingembre sous la queue. Ça faisait l'affaire. Enfin, j'indique ce remède à monsieur. Oui, ben, je vous remercie, je n'avais que ça à me proposer. Ah, dame, pour le moment. Mais je venais dire à monsieur que monsieur Lannoy était là. Oui, ben, faites entrer Lannoy. Bon. Monsieur Lannoy! Futur beau-père, future belle-mère! Future belle-mère! Vous venez pour votre fiancée? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier, elle n'y était pas. Ah non, elle est au jardin. Attention à ne pas dire de bêtises, le remède à maman. Je lui apporte ce bouquet. À ma fiancée. Je serais si heureux de la voir. Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça, Julie me l'avait bien dit, je m'en étais jamais aperçu. Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tuer les hannetons. Vous en avez beaucoup, les hannetons? Comme il est crispant avec son tic, y a pas de remède à ça? Oh, si. On prend de l'eau bouillante et on est chaude. Ça tue, radicalement. De l'eau bouillante? Oh ben, en plein traitement. Pardon, moi, j'ai entendu parler d'autre chose, un nommé Démosthène, qui mettait des petits cailloux. Vous pourriez essayer? Pour les hannetons. Mais non, pas pour les hannetons, pour votre machin, là. Ah, pour moi, oui. Oh, ça n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver mademoiselle Julie. Oui, c'est ça. Ah, dites non, pendant que j'y pense. Vous n'auriez pas besoin d'un ténor? Non, maman cherche un cuisinier. Oh, ben voilà, je repasse avec mon ténor. Il est très solide, c'est un gaillard, il fait les courses. Mais un ténor? Oh, il chante si peu. Et combien est-ce qu'il demande? 3500 francs par mois, c'est pour rien. Ah, pour un cuisinier? Mais il est fou. Oh, mais sans le vin ni le blanchissage. Ah, ça rifle là sous aucun prétexte. Je te dis, personne n'en voudra. Bon, je me sens. Oui, si vous entendez... Oui, oh, bon, voilà. Oh, mon Dieu. S'il pouvait seulement retrouver pour 24 heures, sa voix. Si on pouvait... Ah.
Avec du gingembre. Enfin, ça me serait égal qu'il ait plus de voix, tu comprends, une fois que je l'aurai casé. Oh. Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Faut-il dire oui, décidément? Oh, puis ma foi, tant pis. Oui. Mais comment faire? Oh! Oh, quelle idée! Dis donc! Alors, tu voudrais bien que Dufaussière trouve sa voix? Eh bien, oui? J'ai peut-être un moyen. Je ne te garantis rien, tu sais, je te le donne pour ce qu'il est. J'ose pas, si tu vas rire. Oh, oh non, oh non. C'est un peu de l'empirisme. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Bah, eh bien... Eh bien, quand Dufaussé entrera... Oui. Alors, tu agiteras ton mouchoir, comme ça. En disant trois fois, coucou, à le voilà. Et puis. Mais c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Bah, il est stupide, ton moyen. Ça ne coûte rien de l'essayer. Ah oui, bah, c'est un remède de bonne femme, ça. Oh, au point où on en est, j'essaierai. Ça lui fera toujours pas de mal, hein? Ah, mon Dieu. Alors, l'heure à présent, bah, 2 heures, c'est une bonne heure. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Tourne-toi. Hein? Une. Deux. Voilà, 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a, tu me chatouilles? J'avais cru voir une bête sur toi. Ah oui, alors? Eh ben non, j'avais vu double. Maintenant, Dufaussé saura à quoi ça. Bon, alors, tu as bien compris. Tu agites pas ton mouchoir. Tu agiteras ton mouchoir bien fort. Oui, oui, Bibi, je lui dis, par exemple, si ce remède l'a réussi, je renonce à la médecine. C'est idiot, mon Dieu, que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures, blanc, 3 raies, c'est l'heure où mon mari ronfle. Bon, alors je te laisse, hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir à la main, là? Et toi? Ah non, moi, rien. Moi, j'attends que j'éternue. Ouais, y a pas idée comme c'est bête. C'est Dufaussé que j'attends avec. Vrai? Oh, bah, veux-tu que je te dise, moi aussi? Bon, ce serait vrai. Oh, bah, lui, un homme de science, ça me rassure, alors. Ah, il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix. Ah oui? Oui. Oui, 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 mais il faut chanter 3 fois, coucou, ah, le voilà. Ah non, non. Ah si? Non, 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 Bibiche, elle m'a pas parlé de ça. Ah bah, Bibiche a oublié. Ah non, non, elle m'a dit qu'il fallait chanter Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes. Ah bah, il y a peut-être des variants. Il y a tant de branches dans la médecine. Ça est bien bonne. Oh, ça j'aurais jamais cru, par exemple. Bah, sur le voilà. Coucou. Là, vous êtes content, je les ai tués, moi, en même temps. Ah, le voilà. Bah, qu'est-ce qu'il vous prend? Ah, bonheur, le signal et l'accès! Oh, vous voyez comme il s'anime? C'est le commencement de la crise! Pauvre femme, elle craint que son mari ne s'y puisse pas, elle a pris du renfort! Allez, bah, ça va-t-il mieux? Vous éprouvez quelque chose? Oh, je crois bien, je sens que tout se dilate en moi! C'est incroyable! Blaguez dans les empiriques! Moi, j'essaie avec mes malades! Ça suffit maintenant! Non, mais non, laissez donc, plus il y en aura, mieux ça vaudra! Mais oui, c'est pour votre bien! Ah, c'est pour. Il est étonnant, ce mari! 1, 2, 3, le rendez-vous est à 3 heures! Le voilà. Allons bon, il y en a 2 là, S2, S3. J'ai compris, elle a partagé entre les 2 hommes, il faut additionner ces 2 et 3. 2 et 3... 5. 2 et 3, 5. 5, c'est bien ça, 5, le rendez-vous est à 5 heures. Je suis bien heureux. À moi le plaisir, les jeunes maîtresses. Il chante. À moi leur désir, à moi leur caresse. Il a retrouvé sa voix. Oh, Dufaussé, mon cher Dufaussé, mon ami, écoutez ça, il a retrouvé sa voix. Dis donc, mon ténor, le cuisinier. Dufaussé, recommencez pour qu'il entende. À mon non, non, ton mouchoir, vous aussi, Danois. Agitez votre mouchoir, ça renforcera. Mais qu'est-ce qu'il chante? Il chante. À moi le plaisir. Vous allez entendre ça. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Ah, c'est utile. Oui, oui, à moi les désirs, à moi la caresse. Et aussi, à moi l'énergie des instincts puissants. Et la phalangie du cœur bénissant. À moi, à retrouver sa voix.
Asseyez-vous devant vous. Marthe, ton moyen est admirable. Pas possible. Monsieur, essayez le gingembre. Mais foutez-moi la peine. Oh, madame, je serai exact. Voici vos jarretières. Merci. Il y tient. Mais vous me jurez que c'est un tout bien tout d'honneur. Je le jure. Oh, jeune homme, qu'allez-vous penser de moi? Moi? Rien du tout. Dites un peu. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Décidément, c'est un tic. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Oui, ça ne peut être que lui. Oh, jeune homme, je vais être bien coupable. Allons, tant mieux, tant mieux. Il est content, pauvre chéri. Et maintenant, je retourne au hanneton. Au hanneton, vous? Jamais de la vie, Tiburce. À vos arrosoirs. Et vous, Dufossé, à la gloire. À l'opéra, à Landerneau. Oui. À nous. Coucou, le voilà. Coucou, le voilà. À moi, le voilà. À moi, le voilà. À moi, le voilà. Oh, pristi que j'ai mal dormi. Toute la nuit, il m'a semblé qu'on marchait dans la maison. J'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que j'allais épouser Bibiche. Elle était encore plus en chair que d'habitude. Alors voilà qu'il a surgi une belle-mère qui avait la tête de Landerneau. Elle était contre le mariage. Alors il y a eu un crêpage de chignon. Je lui ai allongé un coup de poing. Je le sens encore. J'ai tapé sur le mur. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de belle-mère? Voyons dans la clé des songes. C'est infaillible. Je connais une nourrice à qui elle avait prédit que son fils remuerait des millions. Il est devenu croupier. Voyons. Belle-mère. Voyez, bassinois. Voyez, belle-mère. Ça peut durer longtemps comme ça. Artiburs, monsieur Pacarel et Ténor ne sont encore descendus de leur chambre. Non, je ne comprends pas. Il est près de 11h et personne n'est encore en bas. Comme si on avait veillé toute la nuit. Je crois entre nous que si on dort si longtemps aujourd'hui, c'est parce que hier, la cuisinière, n'ayant plus de caramel pour colorer son bouillon, y a mis de l'eau d'un homme. Du l'eau d'un homme? Vous êtes fou? Oui, monsieur, de l'eau d'un homme. Alors, vous savez pas ce que vous racontez aujourd'hui. Et puis d'abord, on dit du l'eau d'un homme. Comment du? Eau est du féminin. On ne dit pas du l'eau de vie. Passez-moi du l'eau. On dit de l'eau de vie. De l'eau d'un homme. La grammaire est la même pour les domestiques comme pour les maîtres. Oh, quel idiot. Alors je m'en vais, vous êtes en train de balayer. Je ne tiens pas à avaler tous vos microbes. Oh, monsieur, peut rester. Quand je balaye, je prends toujours soin de ne pas déplacer la poussière. D'ailleurs, j'ai fini. Ah? Oui, c'est ce qu'il y a d'agréable avec cette manière de balayer. Quand on veut, on a toujours fini. Ah, voici, monsieur Pacarel, laissez-nous. Arrive donc, toi. Mais voilà. Ah, tu n'as pas vu Dufossé? Pas encore. Je ne sais pas s'il a encore sa voix. Mais dame, hein? Je ne l'ai pas vu depuis hier. Oh, et puis c'est sans importance. Nous avons le moyen maintenant, hein? Colibas son bord. Oh, mon Dieu, si ça n'allait pas marcher à l'opéra. Mon Dieu, ça pourrait bien arriver. Tu sais, moi, on ne m'enlèvera pas une chose de la tête. Pardon? C'est que Dufossé cherche à nous mettre dedans. Quoi, il serait pas ténor? Au contraire. Seulement, il a des raisons pour nous le cacher. Ah, tu crois? Mais parbleu, tu comprends, il est inadmissible qu'on lui ait fait une réputation de chanteur, même dans le midi, s'il est complètement à faune. Seulement, il a dû flairer la vérité. Apprendre que l'opéra voulait l'engager. Alors, furieux d'avoir signé avec toi, il n'a trouvé d'autre moyen pour t'amener à résilier son engagement que de te faire croire qu'il n'avait pas de voix. Oh, hmm? Bah, elle est pas mauvaise, hein? Mais il la connaît, Dufossé. Heureusement que t'as vu ça tout de suite, toi. Hein? Oh, mais c'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Dame, une voix, ça ne se perd pas en deux jours. Mon Dieu, qu'il la perde à la longue, ça pourrait arriver. Parce que c'est quelque chose qui lui fera du tort, à mon avis. Oui. Je le crois très coureur, ce garçon-là. Ah oui? Tu sais, pour la voix. Ah, tu crois que... Mais oui, mais il suffit qu'il aperçoive un cotillon. Tiens, ici. Tu n'as rien vu, toi.
Eh bien, il est une femme oui. autour de qui il tourne. Oui. Comment j'ai rien vu? Ben, c'est sa femme, parbleu. Oh, je ne la nommerai pas. Oh non, oh, ben, le maladroit, il s'est fait pincer. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Ah non, je t'assure, Landerneau, ça n'est pas. Bien, parbleu, il ne te l'a pas dit? Ah si, si, si. Ah si, au contraire, il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air de... Eh ben, pas du tout. C'est pas ça, je vous assure qu'il n'y a rien. Je te crois, tiens. Oui, oui, oui. Et puis tu sais, moi, je veux bien, moi. Je m'en fiche. Ah, tu... Ben. Ah, bah ben, c'est une bonne pâte. Mais c'est égal. Toi, méfie-toi. Ben, pourquoi donc ça, mon ami? Tu t'en fiches. Moi, je fais comme toi. Ah, tu... Ah, bah, ben, il est philosophe. C'est moi. Ah, vous voilà, mon cher Dufoncé. Je vous ai entendu faire dire roulade tout à l'heure. Moi? Jamais de la vie. Comment jamais de la vie? Mais non, non, il dit vrai. Je l'ai cru, moi aussi, mais c'était l'eau dans le réservoir. L'eau qui montait. Ah, c'était... Ah, bah, elle chante bien. Comme vous, d'ailleurs, hein, car vous avez une voix... Oh, sacré farceur, ça éclate, hein? Et timbré, hein? Êtes-vous assez timbré? Moi, pas plus qu'eux, par exemple. Alors, voyons, pas de cacheterie, hein? Vous pensiez nous la faire, à nous, laissez-la donc sortir. Qui? Bah, votre voix, vos zuts. Vos... Zut. Merci, j'avais bien entendu. Alors, allez-y, n'est-ce pas? Nous savons tous que vous êtes un ténor de la plus grande valeur. Moi? Mais c'est pour rire. Non, faites pas l'innocent. Nous savons que c'est dans votre jeu... Mais c'est inutile, on ne vous lâchera pas. Voilà, pas la peine de vous entêter. Ah, ça, ils y tiennent. Tenez, faites un peu pour voir. Ah, bon, bon. Plus fort. Voilà, plus fort. Ah, ils font en air bourré. Voilà, c'est très bien, c'est un peu faux, mais c'est parce qu'il y a des courants d'air. C'est pas qu'il y aura un décor derrière. Vous voyez bien que vous avez une voix superbe. Moi? Mais d'ailleurs, votre réputation est faite dans Bordeaux. Allons donc. Oh, bah sans ça, je vous aurais pas fait un si brillant engagement, vous pensez bien? C'est pourtant vrai, ça. Alors, c'est sérieux ce que vous dites? Madame! Oh, c'est que je ne m'en serais jamais douté. Aussi, c'était enfantin de vouloir nous le cacher. Oh, ce qu'on s'ignore tout de même. Voulez-vous que je vous dise, c'est que c'est positif. Dans le fond, j'ai toujours pensé que j'avais de la voix. Seulement à Bordeaux, quand je chantais, on me disait « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir ». Ah oui, il y a toujours des envieux, c'est pas pour contrarier les vocations. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ah, 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 salut, demeure chaste et pur. Toujours le même air, hein, il varie peu. N'ayez pas peur, j'en apprendrai d'autres. Mais oui, c'est si bon, une belle voix. Mais en France, vous n'avez pas ça. Vous êtes allé en Italie. Ah. Si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine... Ah. Hein? Vous? Quoi? À la chale, à la chale, à la chale, à la chale. Pourquoi parlez-vous arabe? Je parle pas arabe, je vous dis à la chale, à la... Qu'est-ce que vous avez dit, vous, là? J'ai dit, si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. Ah, mais j'avais bien entendu, comment? Vous avez été à la chapelle Sixtine, vous? Comment? Chanter? Comment? Je dis chanter. Chanter? Ah, oh, il veut encore que je chante. Parfaitement, parfaitement. Salut! Assez! Bon. Il a dit parfaitement, tu as entendu. Mais j'ai entendu. Oh, j'en reviens par le pauvre garçon. Mais pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez sans doute que les chantres en sont... Ah oui, ah, bah, oui, ah, nous savons, oui, nous savons, oui, 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 oui. Eh bien, vous ne pouvez pas vous faire une idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de ces voix si pures, ainsi assemblées, qui chantent toutes leurs parties avec une âme. Ben, ils les chantent de mémoire, bien sûr. Ah, évidemment. Mais comment un garçon comme vous a-t-il pu avoir l'idée d'entrer là-dedans? Où? À la chapelle Sixtine? Oui. Eh bien, figurez-vous que j'étais à Rome. Oui. J'avais déjà un peu le spleen. Ouais. Je venais d'apprendre que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, venait de filer avec un dentiste napolitain. Oui, oh bah, je vois ce que c'est, un désespoir d'amour. Mettez-vous à ma place. Ah, merci. Non. Pour m'étourdir, alors, je me suis mis à arpenter les rues de Rome, seul, découragé, dégoûté de la vie et des femmes. Ah, oui, 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 oui. Soudain, qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine. Dame, pour un homme qui est tout seul à Rome avec le spleen en plus, une maîtresse en moins, c'était encore une ressource. Oui, médiocre. Je me dis, c'est le ciel qui l'envoie. Entrons à la chapelle Sixtine. Comme ça, là. N'y est donc la vocation. Oh. Allez, je ne l'ai pas regretté. Oh, jamais. Jamais. Je vais vous dire, monsieur, que j'ai éprouvé là une des plus grandes secousses de ma vie. Ah bah, je vous crois. Je n'étais pas si tôt entré, monsieur, que je me suis senti pris par tous ces chantres à la voix céleste. Terrassé, démonté. Je n'étais plus un homme, monsieur, j'étais... Oh, je ne sais plus ce que j'étais. Oui, on va chercher pas, allez. Oh. Pauvre garçon. C'était de l'extase, quoi, au point que je n'ai même pas fait attention à ce qu'on m'y a exécuté. Quel spartiate. C'est égal, je ne l'oublierai jamais. Mais c'est tout à fait ça. Ça vous donne qu'une faible idée. Oh, et moi qui croyais que vous faisiez la cour à Madame Landerneau, dites donc. Je saisis par le rapport. Figurez-vous, j'étais persuadé que vous cultiviez Madame Pacquerel.
Ah, ça, il se donne le mot. Oh, mon pauvre ami. Pauvre ami. Bon, bah écoutez, je réécris à l'opéra. Vous tâcherez d'être brillant, n'est-ce pas? Ça m'est égal, d'ailleurs, maintenant. Nous avons le secret. Nous essayons l'Anderneau. Essayons pas carré. Alors, non, pas tout le temps. J'en ai assez. Non, oui, il a raison. Il faut se réserver pour la grande occasion. Oh, c'est égal. Ce pauvre du fossé. Allons faire notre lettre. Allons, pas carré. Oui, mais j'en ai assez, moi. J'ai été pris ce matin, mais on m'y reprendra plus. Hein. Ce matin, à 5 heures, comme c'était convenu après une nuit blanche ou à peu près, j'ai eu des cauchemars toute la nuit, j'ai rêvé d'hippopotame. À 5 heures, je saute à bas de mon lit, tout palpitant, je descends dans la serre, je me dis, elle va venir, je l'attends. J'ai attendu comme ça jusqu'à 8 heures, je vous demande un peu. Si elle n'avait pas l'intention de venir, c'était pas la peine de fatiguer son mari et l'autre à agiter leur mouchoir. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, vous voilà, j'allais vous le dire, oui, madame. Mais vous trouvez que c'est comme il faut de faire poser les femmes? Oh, elle est forte, celle-là. Une heure, monsieur, une heure, j'ai attendu. Et j'aurais peut-être attendu encore sans Bibiche. Bibiche? Ah oui, la grosse. Oui, la grosse. Oui, Bibiche, qui a surgi à 3h sonnante dans la serre, sous prétexte qu'elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir. Alors moi, j'ai dit que j'avais une névralgie pour sauver les apparences. Et nous nous sommes promenées, toutes les deux, de long en large. Enfin, comme elle n'avait pas l'air de vouloir s'en aller et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie pour ne pas éveiller les soupçons. Ah, d'autres, madame, moi, 3 heures. J'ai attendu 3 heures, c'est pas une heure, ça. Vous avez attendu, vous? Oui, parfaitement. Dans la serre? Dans la serre, il n'y en a pas plusieurs, je suppose. Bordelais. Non, mais vous voulez mettre les portes de mon côté? Mais c'est vous qui voulez vous donner les gants. Bien, qu'est-ce que vous avez? Rien, nous discutons. C'est madame. Eh ben, tenez, prenons monsieur Pacquerel pour juge. Oui. En thèse générale, hein. Une femme accorde un rendez-vous à un monsieur, n'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur croit de bon goût, après avoir sollicité ce rendez-vous, de n'y pas venir. Eh bien, ce monsieur est un paltaquet. Là? Oh, permettez quand c'est la femme. N'importe, et toujours l'homme qui a tort. Ah, si je suppose que ma femme... Bah, je peux bien vous dire ça, vous, qui êtes sans importance. Ma femme... ma femme vous donne un rendez-vous, vous n'y allez pas, vous êtes un paltaquet. Moi, le mari, je vous en sais gré, mais vous êtes un paltoquet, tout de même. À propos de quoi parlez-vous? Non, mais à propos d'une dame que M. Dufossé connaît bien et qui a eu la faiblesse. Ah oui, une dame, oui, une femme mariée. Mais oui. C'est toujours drôle. Et le nom du mari? Ça, non, on ne peut pas te le dire. Non, mais je répéterai pas. Oh, bah, je crois bien, tiens. Pas tout, je m'en moque, je le sais. C'est Landerneau. Oh, c'est Marie, quel type. Tous aveugles. Et c'est à vous que ce rendez-vous... Ah, bah, elle tombe bien, Amandine. Hein. Je comprends que vous ayez renoncé, hein, dans son état. Allez, vous êtes condamnée. Vous êtes condamnée. Oh, non, c'est trop fort. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. On me fait poser, on me fait des scènes. Oh, non. Oh! Ah, vous voilà, monsieur! Allons bon l'autre à présent! Oh! Vous êtes encore un joli coco, vous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On sait jamais ce qu'elle veut, cette toquée, là! Comment ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Oh, ça, mais qu'est-ce que vous avez dans vos attentes? Oh, hein? Ça, je pourrais bien lui faire la même question, par exemple! Je vais croire que votre pendule est détraquée! Oh, la plus détraquée des deux n'est pas celle qu'on pense! Comment est-ce que ça fait une pendule qui sonne 3 heures? Hein? Ça fait ding, ding, ding! Alors, je vous dis qu'on aurait l'enfermé. Non, vous savez, si c'est pour me faire un cours d'horlogerie... Que faisiez-vous donc, monsieur, cette nuit à 3 heures? Ce que je faisais à 3 heures? Je dormais. Vous dormez? À 3 heures, vous osiez dormir? Dame, c'est plutôt l'heure. Même, je rêvais. Non, assez, hein? N'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Non, j'avais dit hippopotame. Il y a une nuance. Mais si pas même. Vous ne rêviez pas même de moi. Eh bien, pendant que vous me préfériez des hippopotames, je veillais, moi, monsieur. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, une rage de dents. Oh, bon prétexte, je veillais, je vous dis. Alors, que répondez-vous à ça? Oh, sacré, si c'est pas de ma faute qu'elle est grincheuse quand elle n'a pas dormi. Si, monsieur, c'est votre faute. Et je me promenais de long en large comme une dinde. Oh, permettez. Mais si, monsieur, comme une dinde, ne me contredisez pas, c'est pas poli. Oh, si vous tenez à dinde. Ah, ben voilà, l'injure. L'injure après le mépris. Oh, elle m'ennuie à la fin. Oh, du fossé. Vous avez déjà assez de moi, vous me méprisez. Mais non, du tout. Quelle bassine noire. Bah, vous n'avez pas dormi, ben, je sais, c'est très ennuyeux. Hélas. Oui, enfin, je sais ce que c'est, ça m'est arrivé aussi. Vrai du faux, ça t'est arrivé. Oh, ça vous est arrivé. Oh, il m'aime donc encore. Oui, c'est pas, on se tourne d'un côté et d'autre. Oui. On ne sait pas comment se mettre. Oui. On a chaud. Oui. La oui. peau nous brûle. Oui. On tourne son oreiller. Oh. Et puis on finit par se lever. Ah oui, c'est tout à fait ça. Eh ben c'est ça, c'est le café. Vous ne devriez pas prendre de café le soir. Le café? Oh la femme! Ma concierge à Bordeaux, ça lui fait le même effet. Oh, tiens, je te hais. Oh.
Hein, tu me... Non, elle est pas méchante, mais... C'est la tête qui déménage. Vous êtes encore là, monsieur? Ah, madame, expliquons. Non, c'est inutile. Monsieur Pacarel, qui n'est pas intéressé dans la question, a eu soin de vous dire votre fait. Mais je vous assure, j'ai rien à me reprocher. J'étais à 5 heures. Dans la serre, vous n'y étiez plus. Ah bah, rien que ça, 3 heures de retard. Ah bah, si c'est ça que vous appelez être exact. Comment vous venez à 5 heures quand on vous donne rendez-vous à 2? Non, non, pardon, à 5. À 2, voyons, vous le savez bien. À 5, j'ai compté les raies. Eh bien, c'est que vous ne savez pas compter. Vous avez trop marqué. Ah, mais je n'ai fait que 2 raies, moi. 2 sur l'un, oui, mais 3 sur l'autre. Ce qui fait 5. Ah, mais permettez-moi, je n'ai pas rayé Landerneau. C'est l'autre que vous voulez dire. Eh bien, Landerneau, je ne l'ai pas rayé. Comment? Mais non, vous avez fait 2 raies sur Pacarel, 3 sur Landerneau, ce qui fait 5. Mais je vous dis que je n'ai pas rayé Landerneau. Vrai? Mes paroles. Alors, je demeure stupide. Crions au prodige et recevez mes excuses. Bon, ben, je les accepte. Et moi qui vous maudissais? Ben, moi. Vous croyez peut-être que je me gênais? Oh, Amandine, mon Amandine. Amandine, tu m'appelles Amandine? Oui, Amandine, mon Amandine. Encore? Vous ne voyez donc pas que vous êtes coupée? Je me suis coupée, moi. Où ça? Ça saigne? Pourquoi m'appelez-vous Amandine? Mais parce que ce nom m'est doux, parce que je l'aime, mon Amandine. Il avoue, c'est à moi qu'il vient dire ça. Eh ben, qui voulez-vous que j'aille le dire? Oh, laissez-moi, c'est infâme! Partez! Partir, moi, quand j'aurai passé ma vie à vos pieds? Jamais, tenez, je suis à vos genoux! Oh, Marie! Oh, révoltez-vous! Oh, il sait! Hein? Arrête de foncer! On s'en doute, madame Pacarel! Mais nous, madame Pacarel! Est-ce qu'on sait me relever, vous? Le mari, pincez-la! Mais oui, Marie, enfin, vous ne voyez donc pas que Pacarel vous voit? Ah, ce n'est que parce que Pacarel me voit que... Ne crois pas ce que tu as vu, tu sais, ça a l'air, mais prudent! Oh, mais laisse donc, enfin, veillons, l'échappée de la chapelle! Oh, petit poseur, va! Il est de bonne composition. Non, mais mon ami ne m'a pas supposé. Mais puisque j'en rigole, monsieur, surtout ne croyez pas que j'aime votre femme, vous savez. Mais tiens, parbleu. J'avoue que les apparences sont contre moi, mais c'est pour sauver une situation. C'est sa femme que j'aime. Vous savez, vous n'avez pas besoin de me le dire, ça se voit. Oui. Aussi, si vous m'avez vu au genou de madame, c'était pour détourner les soupçons de Pacarel. Et drôle de façon, par exemple. Oui, ben, voulez-vous que je vous dise, oui. Votre calme me blesse plus que votre colère. Mais je te dis que je suis calme parce que je sais qu'il n'est pas dangereux. Oui. Non, ça, le café, je ne l'avalerai pas. Elle, c'est le ciel qui l'envoie. Oh, monsieur, je vous préviens, je me moque de votre femme comme d'une guigne. Mais je vous demande pardon de ce que je vais faire, c'est pour sauver une situation aux yeux du mari. Marthe, je t'aime. Oh, mon Dieu. Ne craignez rien, je l'ai prévenu. Ça me fait vous garder la tête. Mais puisque je vous dis que je l'ai prévenu, Marthe, tu es belle. Marthe, tu m'appelles Marthe. Mais je m'appelle Amandine, monsieur. Amandine, c'est madame. Je m'appelle Marthe, monsieur. Marthe Pacarel. Comment, Marthe Pacarel, c'est vous et Amandine, c'est... Oh, quel pétrin. Oh, messieurs, croyez bien oh, que... Oh, non, mais, mange... oh, mais continuez donc, mon cher ami. De vous, ça m'est bien égal. Allez, nous ne sommes pas jaloux. Nous ne sommes pas jaloux, continuez de jeûner jamais. Oh, lui, ça moque de moi, comment je... J'y comprends plus rien. Comment on me présente une grosse Marthe et une exquise Amandine. La grosse Marthe se trouve être l'exquise... attendez, non, je n'y comprends plus rien. La grosse Marthe devient la grosse Amandine. L'exquise Amandine devient l'exquise Marthe. La femme de Pacarel devient la femme de l'autre, pendant que la femme de l'autre devient... Non, c'est à n'y plus rien comprendre, ou alors c'est eux qui se trompent, pas possible, c'est un tour de passe-passe comme aucun. Seulement, à qui je fais la cour? Quel mari ai-je été sur le point de tromper? Quel est le serin qu'il faut soigner? Enfin, comment sont-ils mariés, tous ces gens-là? Peut-être bien sous le régime de la communauté des femmes. Le libre-échange dans le mariage, dame, avec le progrès. Bonjour, monsieur Dufausset. Ah, vous voilà, bonjour, ça va pas mal et vous, merci. Allons, tant mieux, et vous vous portez bien? Comme je viens de vous le dire. Ah, mais c'est vrai, vous venez de me le dire, mais je ne vous l'avais pas demandé. Oh, pardon.
comme on a l'air bête quand on ne vous demande pas comment vous allez, que vous répondez merci pas mal aimé. Heureusement que ça arrive tous les jours. Et vous n'avez pas vu Monsieur Pacarel? Qui est à l'instant là? Vous êtes souffrant, vous voulez de la gomme? Oh, merci, je me fais la voix. Ah, mon cher Lannoy, on me dit que vous êtes là, je descends 4 à 4. Vous serrez la main et vous annoncez votre fiancée pendant que ma page sèche. Je suis en train d'écrire une lettre importante. Votre mère va bien? Votre sœur? Je n'en ai pas. Ah, tant mieux, tant mieux. Oh, mais j'allais vous le dire, mademoiselle. Vous allez bien? Mais une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, très bien. Allons, mes enfants, je vous quitte. Mon cher ami, rendez-vous utile, n'est-ce pas? Dans votre situation, on peut vous demander ça. Alors, voyez-vous, ce sont deux fiancés, n'est-ce pas? Il faut les laisser à leurs épanchements, mais en même temps, il est convenable de ne pas les abandonner complètement à eux-mêmes. C'est l'usage, c'est l'étiquette. Alors, vous allez les surveiller en prenant soin de ne pas les gêner, en vous promenant ici, comme ça, n'est-ce pas? De long en large, mais sans vous mêler à leur tête à tête, pour ne pas déranger leur conversation. Merci, du fond. Alors, me voilà bonne d'enfant pour adulte. Eh bien, rien de nouveau? Rien, j'attends un joint. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Moi, je n'ose pas dire à papa. J'aime mieux que ça vienne de votre côté. C'est comme moi avec maman, je préférerais que ça arrive à vous. Je vois avoir l'air d'un tatou. Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon époux. Bah, c'est comme vous, je reconnais que vous êtes très gentille, mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, vous avez le nez trop long. Et moi, j'aime que les rousses. On s'épanche-t-il tout de même? Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Ah ben moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes, parce que là, au moins, on est sûr d'en trouver de la couleur. Oh, vous avez dit cocotte. Oh, pardon, j'aurais dû tourner la langue. Oh non, ça m'est égal, je ne dois pas savoir ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur à se promener comme ça? Il vous donne pas mal au cœur? Pauvre garçon, c'est qu'il est jaloux. Il croit que je dois vous épouser et il m'aime, lui. Il me l'a fait sous-entendre. Allons donc, et vous? Moi, dame, il me déplairait pas. Bah alors faites-le lui sous-entendre aussi. Comment devant vous? Oh, moi ça m'est égal, je n'écouterai pas. Après tout, ça n'est que pour le rassurer. On n'a pas le droit de laisser souffrir son prochain quand on peut calmer sa souffrance. Oh. Pardon, c'est à moi? Oui, oui, allez, allez. Vous m'appelez mademoiselle? Oui, je tiens à vous rassurer. Vous êtes là, sur des charbons. Eh bien, calmez-vous, monsieur Lannoy, mon fiancé ne sera jamais mon mari. Non, jamais, jamais. Mais pourquoi me dites-vous tout ça, mademoiselle? Mais parce qu'après votre aveu, je n'ai pas le droit de m'amuser d'un jeu cruel qui doit vous faire souffrir. Hein? Oh, j'ai bien vu combien vous étiez agacée, vous trépignez, et là, depuis 5 minutes, je ne suis point coquette, moi. J'ai peut-être tort de vous parler de la sorte. Madame Landerneau m'a toujours dit, en amour, il ne faut jamais s'avancer, il faut laisser venir. Mais en somme, c'est vous qui avez fait les premiers pas. Je puis bien m'avancer un peu à mon tour. Oh, mais elle est charmante et moi qui m'en étais jamais aperçue. Est-ce possible, mademoiselle, que vous me parliez de la sorte? Il a des bottes, il a des bottes, 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 il a des bottes, bottes. Comment peut-on être assez aveugle pour ne pas entrer dans cette maison et ne pas tomber immédiatement amoureux de vos charmes? Oui, mais ça n'est pas votre cas. Moi? C'est plutôt pour lui qu'on peut dire ça. Oh, pas de personnalité, s'il vous plaît. Oh non, ça n'est pas votre cas, car vous m'avez bien vue tout de suite. Oh, mais moi aussi, vous savez. Aussi, quand vous m'avez fait l'aveu de vos sentiments. Moi, je vous ai fait. Quand donc? Il ne se rappelle plus. Mais ici, vous m'avez dit, c'est moi qui m'en irais si je n'étais retenue par les charmes d'une jeune personne. Alors j'ai compris. L'avez-vous dit, oui ou non? Oui, je crois bien. Je ne m'en ai dit pas. Je le répète, je vous aime. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Moi aussi. Mais là, vraiment. Oh, elle est délicieuse. Oh, Julie. C'est bon, vous voulez encore partir? Oh, il était fait pour être une jatte. Oh, monsieur, l'amour. Oh, bah, restez pas à mes genoux pour ma fille. L'amour est un sentiment immédiat. Une seconde m'a suffi pour me rendre follement épris de mademoiselle Julie. Comment? C'est vous? Ah bah qu'est-ce qui me chante? Eh ben et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah vous voyez, je l'ai relevé de faction. Bah il a une drôle de façon de faire sa cour, par exemple. Monsieur, vous êtes l'ami de mon père, vous ne me repousserez pas, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Oh bon coup! Oh bah dites donc pas de bêtises. Oh papa, sois gentil. Oh. Enfin, tu veux me marier, je le comprends, mais... c'est pour toi. Mais en me mariant, tu me donnes un mari, ça c'est pour moi. Eh ben laisse-moi le choisir. Oui, mais je peux pas te dire, Julie. Mon petit... Oh bah elle est bien bonne. Oh. Sixtinien, va. Mais qu'est-ce qu'il a à rire comme ça? Ah, voilà. Tiens. Oh, non. Lise ça. Là. Un journal plus tard, non, tu ne devineras pas. Figure-toi que Dufoncé me demande la main de Julie. Non, mais... Lui. Ah, elle est bien bonne. Ah, oui, elle est bien elle bonne. Elle est bien bonne. Elle doit être vraiment bonne. Oh. Il m'agace à la fois. Je vois pas vraiment en quoi elle est si bonne. Oh, décidément, pas maintenant. Maintenant, serré comme ça. Oui, hein. Là, ici, là. Attends, qu'est-ce que c'est là? Hmm. On annonce l'engagement. Ah, c'est trop fort. Lisez ça, vous. Oui. On annonce l'engagement à l'opéra du fameux ténor Ducheton aux appointements de 6 000 francs par mois. Eh ben, je m'en fiche. Oh, vous en fichez, c'est très bien. Vous me devez 40 000 francs. Moi? Le dédi. Le dédi, quel dédi? Mais je ne vous quitte pas, moi. Comment vous quittez pas? Vous pouvez pas rester avec moi et être à l'opéra en même temps? Mais je ne vais pas à l'opéra, je suis pas Ducheton, moi. Hein? Comment? Bah alors, qu'est-ce que vous faites ici? Un pique-assiette? Oh, monsieur! Pourquoi m'avez-vous dit que vous appeliez Dufossé? Mais Dufossé n'est pas Ducheton! Écoutez, Ducheton, c'est le nom de théâtre, hein? Mais vous pas dit que vous étiez le fils naturel de Dufossé?
Moi, le fils n'a... Bah, où est-ce que vous avez été chercher ça? Madame, c'est vous... Oh, et puis enfin, quoi, Dufaux, ça n'a qu'un fils? Eh ben justement, je vous ai jamais dit que j'avais un frère, ce fils, c'est moi. Oh, comment c'est vous, le gamin qui a 13 ans était... Comment? Mais alors, vous n'êtes pas ténor? Moi, je sais pas chanter. Oh! Et vous, vous faites pas... Ah, c'est trop fort! Je demande à Dufaussay qui m'envoie un ténor et il y substitue son fils. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Écoutez, c'est monsieur, oui. mon père, oui. qui m'a dit, va faire ton droit à Paris. Oui, il m'a jamais parlé de ténor. Il m'a seulement recommandé à vous, j'ai une lettre au fond de ma malle, oui. mais comme vous m'avez tout de suite offert une situation extraordinaire, oui. j'ai accepté parce que je suis sans cérémonie. Oui, mais mon télégramme! Mon père n'a rien reçu. Bon, Tiburce. Tiburce! Monsieur? Le télégramme que je vous ai donné il y a quelques jours. Ah, bah je l'ai là, monsieur. Pas encore parti, comme l'administration est mal faite. Monsieur le veut? Bah non, déchirez-le maintenant, ce télégramme, imbécile. Monsieur est dur pour le télégramme. Alors maintenant, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Non, bah ça non, par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Comment? Après avoir chanté à la chapelle Sixtine? Moi? Ben, mais c'est vous qui l'avez dit. Ah pardon, j'ai dit que j'y avais été, non, j'y avais chanté. Ah ben vous êtes gay, vous. Que se passe-t-il encore? Pourquoi est-ce qu'on s'y a vu? Oh madame, intercédez-nous auprès de monsieur Pacarel pour qu'il m'accorde la main de mademoiselle Julie. Oh, permettez, je m'oppose. Oh madame, vous riez me flatter en faisant croire que vous êtes jalouse. Jalouse, moi, vous êtes bien fat. Après tout, monsieur Pacarel, oui. c'est votre fille. Oh, vous me permettez, ma fille est promise à monsieur Lannoy. Ah. Mon Dieu, monsieur Pacarel! Je suis très honoré! Mais mademoiselle aime monsieur! Faut pas contrarier les sentiments! Je demande la main de votre seconde fille! Bah oui, mais j'en ai pas! Ah bah je suis pas pressé! Bon, bref, je ne sais plus, moi, Dufaussay, je ne dis pas non, je réfléchirai. Ah, et dire que je n'ai pas voix au chapitre, le scélérat. Mais dites donc, vous me devez une explication, parce que là, je vous ai pincé au pied de ma femme. Chut, c'était pour monsieur Landerneau, j'avais un caprice pour sa femme. Ah, voilà, alors c'est très bien. Vous vous êtes permis d'embrasser ma femme. Je n'ai rien dit parce que je pensais que... Chut, c'était pour détourner les soupçons de Pacarel. Ouais, alors ça va bien. Allons, tout est pour le mieux. Voilà, c'est égal. Je n'ai pas eu de chance avec mon ténor, mais ça me servira de leçon. Voyez-vous, mes amis, que vous achetiez des navets ou que vous traitiez avec un ténor, demandez toujours à voir la marchandise. On ne sait jamais ce que l'on risque à acheter champ en poche. Oui. Est-ce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir et de Georges Feydeau. Le décor est de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell. Avec Raymond Acquaviva.
Sophie Deschamps. Anne Rochefort. Alain Feydeau. Lucien Bargeon. Yvonne Godot. Luciani. Thierry Leluron. Jean-Laurent Cochet.